Chers amis, je vous propose un peu de travaux manuels dans cette édition E2M2 de Doom Doom. Eh bien, oui, des travaux manuels, puisqu'on va se retrouver en plein confinement, en zone de confinement, containment area. Donc il faut passer le temps, et pour passer le temps, rien de mieux que les travaux manuels, mais un peu particulier, un petit peu particulier. C'est parti. Alors, eh bien, on va commencer par aller chercher une arme très particulière. Le berserk, qui nous va nous permettre de faire de la charapatée vitaminée, comme vous pouvez le constater. Et ce que je vous propose dans cette édition, c'est de terminer le niveau entièrement à la main. Charapaté de bout en bout. Voilà, tout ce qu'il faut, comme il faut. Il va falloir faire très attention au niveau de la vie. Très très attention. Alors c'est un niveau où on va pouvoir récupérer trois armes principales. La fameuse, celle qui ne fait pas dans la dentelle. J'ai nommé la tronçonneuse, la sulfateuse et le fameux Sprouch. On va se l'allumer un petit peu. Oui, alors, niveau où il faut vraiment faire très attention au niveau de la vie. Bon, 66. C'est pour ça que je fais vraiment attention. Et j'ai vu qu'il y en avait là. Voilà. 100%. Oh, c'est un peu labyrinthique pour commencer. On va passer par là, même si c'est pas là où je voulais aller. Voilà, et il doit y en avoir un autre là-bas. Oui, voilà. Alors, donc c'est tic-tic qu'on va. Ah, c'est pas du tout par là où je voulais aller, donc on va revenir. Il y a deux entrées au niveau. Je voulais aller à la première entrée, histoire de pas se perdre, de connaître un petit peu le chemin. Par ici, donc on va aller par là. Y aurait-il un Pinky? Mais bien sûr. Alors on va pouvoir bientôt rechatouiller du Pinky à la tronçonneuse. Mais pour l'instant, on fait la bonne charapatée. Vitaminée. Oui. Voilà. Y en aurait-il un par là? Mais oui. Aïe. J'aurais dû prendre le pack de vie avant. 88. Alors toujours l'objectif dans la difficulté. Dans la difficulté maximale. Eh bien. Avoir 100% d'items, 100% d'ennemis. Et 100% secrets. Oui, enfin, on ne joue pas en mode nightmare, mais tout de même. Je ne sais pas si parmi d'entre vous, certains d'entre vous avaient eu l'occasion d'essayer de jouer en mode Nightmare. C'est quelque chose, les ennemis ressuscitent à tour de bras. Alors, je parle, mais ce que je veux, c'est m'assurer de n'oublier aucun items. Alors ici, le petit levier nous permet d'accéder au fusil à pompe. Ah, en voilà un petit imp, un petit diablotin en chair à pâté, version chair à pâté. Alors, on a été par là. Ce que je vous propose désormais, c'est d'aller en bas à gauche. Ce qu'il faut, hein. On prend le temps, et voilà, c'est bon. Ah. Oh, deux Pinky, on a de la chance, hop, hop. Et voilà, il n'y en a plus. Ensuite, tous les coins et les recoins
vraiment faire très attention au niveau de la vie dans ce niveau. Et voilà, 99%. Et non, et oui. Voilà. Alors ici, j'ai un pack de vie, ici aussi. J'essaye de les mémoriser, ressouvenir où il y en a, quand ça n'ira pas. Bah, il n'y a plus rien. C'est bon, on a fait le tour. Alors ici, un passage secret, mais ça s'ouvre de l'autre côté. Pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Ah, bon, on va s'occuper d'ici après. Donc on a fait cette partie là, je vous propose d'aller s'amuser un petit peu. Eh bien, parmi le gang des diablotins, il y en a un paquet là-bas. Et ils font la fête. Donc là, ça, je suppose que ça doit correspondre à la zone de confinement. C'est bien. Bon, je vais prendre le petit paquet. Ouais, ici. Et il y a 20% par ici. Voilà. On est très bon. Alors, je vais vérifier. Bon, c'est bon. Ça doit certainement correspondre à la zone de confinement. On voit qu'on a changé de décor ici. C'est un petit peu plus infernal. Bien. Alors, on va aller par là. Un petit comité d'accueil. Pas un Doomguy qui est plutôt mal en point, à terre. Ça, je peux prendre pour l'instant. Ah ben voilà, ils sont là. Voilà. Bon. Ouais, une bonne mixture de chair à pâté. Il faut ce qu'il faut. Voilà, 91. Bah voilà, c'est bien. Encore lui. Voilà. C'est bien. Non, encore. C'est bien. Décidément. Bon, j'irai après. Une chose à la fois. Il y a plusieurs armures à 100% dans le niveau. Donc on peut se le permettre de la prendre maintenant. Et voilà. Un autre tour, non? Ah non, il n'y a plus personne. Bon ben, soit. C'est un niveau aussi très pratique pour faire le plein de munitions, étant donné qu'on utilise le berserk, hein, version chair à pâté vitaminée. Donc on fait vraiment le plein. On va bientôt aussi avoir accès à un sac à dos. C'est pratique les sacs à dos pour shell. Donc au niveau de munitions, je peux pas en prendre plus pour l'instant, 50. Les sacs à dos permettent de porter plus de munitions. Alors on a tout fait par ici. C'est parfait, on va pouvoir aller dans la zone, je suppose que ça correspond à la zone de confinement. Ah, un petit détail important, si vous souhaitez faire les 100% d'ennemis, il y a un ennemi un peu planqué, il n'a pas envie de vous dire bonjour, ça c'est certain. Par contre, ça va nous faire diminuer un peu de points de vie. C'est une âme perdue. Voilà, hop là. Ouais, j'ai perdu un petit peu. Allez, normalement, je retourne par ici. Voilà, 10%.
laisser de côté. Alors, ensuite, eh bien, je vous propose, par ici, c'est la clé bleue. Ici, ça va être la fête. Roulement de tambour. Non, on ne retrouvera pas de caco. Je suis désolé. C'est... Aïe. Il m'a fait... J'ai tardé à lui dire bonjour. Alors, je sais que normalement... Voilà, il y en a beaucoup qui déboulent. C'est quelque chose. Voilà, c'est vite réglé. Hein, c'est 56%, vous avez vu comment ça a diminué d'un seul coup. C'est quelque chose. Hein. Quand on n'y prend pas garde. Allez, 20% par ici. Un petit 10% et ça serait bien. On va bien trouver, j'en ai vu. Voilà. Alors, on va faire les choses méthodiquement. Ou ce qu'il faut. Ici, il n'y a rien à voir. Ici, il n'y a rien à voir non plus. Mis à part quelques petites options. Items. Et ici, par contre. Ici. Faut attendre. Faut attendre son tour. Et nous y voici. Le premier passage secret. Je vérifie parce que ça, on oublie facilement une option là. Un item. Bref. Voilà. Et on retrouve la porte bleue que nous ne pouvons toujours pas ouvrir. Voilà. On se promène tranquillement, mais sûrement. 122%, l'air de rien. On va aller chercher la clé jaune. Alors là, je sais pas, si j'ai une mare de sang, de lave, faut éviter, c'est pas bon pour les pieds. Il suffit de marcher en dessous des ronds bleus. Voilà, et normalement tout se passera bien, normalement. Il y en a qui ont essayé, ça, à vrai dire ça a toujours marché pour l'instant. Voilà, et hop c'est parti, voilà, on a la clé jaune. Donc, je vous propose de retourner au début du niveau. Ça fait un peu de chemin, un peu d'aller-retour aussi. Alors, ben on peut commencer tout de suite par aller chercher la sulfateuse. Ça va nous faire du bien. Alors, ici on peut remarquer que c'est une pièce, ma foi, assez carré, hein. Et on peut aussi remarquer que on tourne en rond. Bref, ici, ah, des pinky. Voilà, et de 1 et de 2, on a de la chance, il y en a beaucoup, et de 3, voilà, pas perdu un gramme de vie. Il faut faire attention à la santé, hein, dans ce niveau, mais dans Doom en général. Et puis même d'une manière générale. Oh, oui, c'est important la santé. Et nous y voici. Avec la sulfateuse que nous utiliserons prochainement. Alors, deuxième porte jaune. De l'autre côté. Et bon, encore un petit chemin, un petit bout de chemin qu'on va faire. Est-ce que j'en ai besoin? Bah, on veut pas se priver. Hop, on refait le plein d'armure. C'est tout droit. Voilà. Alors là, c'est une pièce assez particulière. Il vous faudra prendre tout de suite le sac à dos. Sinon, vous aurez du mal à la voir.
sac à dos, on le prend tout de suite. On a... Alors, il y a un piège. Oui, il est gentil. Enfin, disons qu'il... le piège consiste au fait de... Si vous activez l'interrupteur, et vous allez directement... tous les interrupteurs, tous les piliers descendent. C'est pas très clair, mais je vais vous montrer. Un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Donc un levier... Alors là, le pic se bouge. Faut pas aller le chercher tout de suite. Si j'y vais, les trois piliers vont descendre. Le deuxième... Ah, des âmes perdues et des pinkies. Hello. Hello. Ah bah c'est bon, ils sont en infight. Ils chamaillent actuellement. C'est... Ah bah c'est bien, comme ça, ils ont réglé un problème. Ah, il y en a encore un. Encore une. Et non, tu ne m'as pas eu. Et non, toujours pas. Et voilà, c'est bien. Troisième... Ah mais c'est vrai, par ici. Bah là on va essayer de s'amuser à tourner autour du pilier, il y a du monde. Je suis en train de perdre de la vie. Vous êtes là? Ah, merde, je me suis trompé de bouton. 84. C'est... Ah bah j'allais dire, il y avait plus personne, c'est triste. Voilà. Je vais en profiter en même temps pour aller chercher une armure. Comme il y en a plusieurs, hop, voilà, je révèle plein. Et ensuite, eh bien, on va aller voir le passage secret qui est ici, qui va nous permettre de faire le plein en cartouche. Voilà. Et nous revoilà. Zone infernale. Le décor, c'est pas le même. Du tout. Ça gargouille de par là. Ah ben, ils étaient pas là tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et voilà. Bien. Je sais pas d'où ils sortent. Alors ici on ira après. Il y a c'est un passage assez très fun en réalité. Mais c'est un vrai catapan. Alors si vous souhaitez le faire en version charabatée, je vous conseille d'être à fond au niveau vie et armure. Ok, un petit pinky. Il n'y a plus de pinky. Un autre pinky fantomatique, un spectre. Et il y en a encore une fois plus. On est bon, on est bon, on est bon. C'est bon. Bah oui.
édition. Il m'a pas vu. Ils m'ont pas vu. Il y en a un sur la droite et il y en a un sur la gauche. Bon bah, je sais pas pourquoi il m'a pas vu, mais c'est pas grave. C'est pas tant pis pour lui. Enfin, c'est grave pour lui, pas pour moi. Voilà, c'est bon. Alors, on en est où? Eh bien... Ah oui. Ici. Ça va faire descendre le pilier qui est juste ici. Si vous n'y allez pas tout de suite, eh bien, vous n'aurez pas ce qu'il y a sur la... Sur... Voilà, ici, exactement. Et ça va remonter et ça va redescendre. Donc, le plasma gun qu'il faut avoir tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Ensuite. Je n'ai besoin de rien, je suis plutôt bon au niveau... Alors là, c'est la chair à pâté automatisée. Voilà, vous avez vu. C'est du hachis, c'est vraiment du hachis. Il faut faire vraiment attention. Donc j'essaie de faire attention. Il faut courir en fait, à vrai dire. Bon, il y a du monde là-bas. On va attendre qu'ils viennent. Voilà, voilà, voilà. C'est bien. Est-ce qu'il va arriver jusqu'ici? Je ne sais pas. Voilà, il n'y en a plus. Hop. Alors, il y a un passage secret sur la gauche. On est à 85%. Oh, ça devrait aller. Voilà, 95%. Et ici, on va retrouver une arme emblématique qui ne fait pas dans la dentelle. La fameuse, la merveilleuse, la tronçonneuse, bien entendu. Et attention, c'est encore une fois un guet-apens. Non. Et hop. Hop, hop, hop. Ah, chacun, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Hein. Vous battez pas. Allez. Ils veulent en découdre. C'est bon. Ça arrive facilement de se faire avoir. Pourtant, faut vraiment pas oublier de courir. Voilà. Voilà. Alors, ici, c'est un endroit assez particulier. On va prendre la clé bleue. Il y a un passage secret. Je prends. Voilà, bon, c'est bon. Alors, je regarde, c'est ce qu'on n'a pas fait. On a tout fait comme il fallait, donc on peut se permettre. Pour aller là où il y a les ronds bleus, en passage. Il y a une Soul Sphere. Si vous ne prenez pas la Soul Sphere tout de suite qui va apparaître, eh bien, vous ne l'aurez pas. Et donc, c'est un peu dommage de passer à côté, quand même. Ici, en marchant là, hop. Et voilà. C'est bon, on l'a eu. On est donc à 193%. J'aurais préféré 200, mais tant pis. J'aurais dû prendre... Hop. Là, ici. Hop. La clé bleue. Je réfléchis. Oui, oui, oui. Il nous faut la méga armure. J'aurais dû prendre après. J'aurais dû prendre la saut de fer après, mais c'est pas grave. Oh. Oh. Non, tu ne mourras pas. Bah
si tu m'as eu, mais c'est pas grave. Allez, hop, 200%. On va pouvoir y aller. On va pouvoir aller. Non, non, on va pas par là. Non. Et si on peut s'en passer, autant s'en passer. Alors, donc c'est tic. Ah oui, c'est ça, juste sur la gauche. Alors, surtout ne pas marcher sur les ronds bleus. Ça doit être un peu électrique quelque part. Voilà, un item. Un autre item. Là, c'est le guet-apens. Attention. Un beau sac à dos au milieu. Ça va aller très vite, en espérant. Non, ça va bien se passer. Ils sont in fight. Très bien. Je les laisse. Et voilà, c'est très bien. Merci. Et voilà, bon, ça va, j'ai pas trop perdu en vie. Un passage secret peut engager un autre. Voilà, et un passage secret qui engage un autre peut encore engager un autre. Bah voilà, c'est vraiment gérapaté. J'ai rabatté. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. On est bon. Ça va. Ça se passe bien, tranquillement. Et un passage secret dans un passage secret dans un autre passage. En réalité, c'est pas considéré comme des passages secrets tous, mais... Voilà. Là, c'en est un. On a la fameuse carte qui nous permet de voir, de réaliser bien que... On a tout vu, presque, sauf la sortie. Je regarde. Oui, une mouche passe. Je viens de l'apercevoir. Ça arrive aussi, ça. Ça faisait longtemps. Alors, on va aller chercher la sortie. C'est pas par là. C'est par là. Voilà. Tranquillement. Non, c'est pas par là, non. Si. On va y arriver. Voilà, c'est ici. À côté du hachoir. Ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Bon, ben, formidable. On commence par lui. Deux coups. Fait perdre des points de vie. Voilà. Et enfin la sortie. Et il y a un problème. Et il n'y a pas de problème. J'avais peur, c'est la cérémonie de fin, toujours s'assurer qu'on a tous les items, tous les monstres et tous les secrets. On est bien à 115 sur 115 monstres. Et donc. On peut se permettre. Voilà. Et surtout, tout est bon. Et voilà. On en a donc terminé avec Containment Area Mission 2. Mission 2, épisode 2. C'était un niveau assez sympathique, surtout en version chair à pâter. Super vitaminé. Que dire, trois nouvelles armes. Enfin, le retour de la fameuse tronçonneuse qui ne fait pas dans la dentelle. Le Pix Brooch et la sulfateuse. Sur ce, en attendant de se retrouver pour la mission 3, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important en attendant de se retrouver. Satraciano.